Voilà, donc là j'ai démonté les charbons d'un moteur de Renault, enfin d'un alternateur de Renault Mégane, une DCI 1,9 litre. Donc on peut tester les charbons pour savoir où sont les bornes. Donc ici, voilà, mon multimètre fait bip bip. Donc là, on sait que c'est bien les bornes des charbons. Si je teste l'autre, voilà. Si je me mets ici et si je prends l'autre en dessous, ça fait pas bip bip. Hop, j'ai fait un faux contact. Voilà. On sait que les bornes du charbon, c'est bien les deux petites pattes qui sont là. Donc tout le reste, tout ça, on va le virer puisque ça sert à rien. À la limite, il suffirait de dessouder ici les petites pattes, puisqu'elles sont visibles. Le reste, on peut le laisser, c'est inutile, mais on peut le laisser en place. Comme ça, on aura le support pour remettre les vis sans tout casser, quoi, pour remettre les charbons en place. Voilà. Il peut arriver que les charbons soient usés, donc dans ce cas-là, le rotor ne sera pas alimenté.